C'est reparti. De nouveau. De nouveau à la meselotte. Ça fait super bizarre de prendre un départ quand il fait complètement jour. Il fait jour. Sauf à la VVX, il fera 4h du mat, il fera jour. Ah, vraiment jour. Presque. Voilà. Ah oui, la semaine prochaine, Chris, il fera jour aussi. En mode guerrière. Allez, taquet. C'est pas votre micro. Ah, il veut faire du ski. Allez. Voilà. Oh, il y a aucune possible, il y a rien. On va en dos, hein, Allez, bon bah on y va en marchant. Bon bah en dos, à ce soir. Gardez ce livre, les 5 minutes, c'est pour la photo. Allez, go. Kilomètres, 400 mètres de dénivelé. Ça fait qu'une montée, comme chaque trail en même temps. Alors là, l'année dernière, c'était blindé de neige avec un super soleil. Putain, une année 7 km 800 en 1h04. Dénivelé, on doit être à, je sais pas, bien 650, 700. Putain, putain. En tout cas, elles sont sûres. J'avais prévu de la pluie, mais en fait, il n'y a rien du tout. De faire 9-10 degrés, pas de vent, on va dire condition presque idéale, hein. C'est génial. Top. Ravito et tout en bas là il y a un lac magnifique. On y va tranquillou, enfin des bonnes descentes. Kilomètres, un petit peu plus en 1h30. Je me souviens plus combien de temps j'avais mis l'année dernière ici, mais bon, je pense que c'est plus facile sans neige. À la vie, on doit peut-être aller un petit peu plus vite quand même. Ça se gâte un peu, il y a un peu de soleil, mais c'est quand même des gros nuages gris. On verra bien. Petit lac du côté de Cornimont, si vous savez pas quoi faire de vos étés, du mois du week-end, ensoleillé, venez ici, à Cornimont, c'est magnifique. Bon, normalement l'eau elle est turquoise, bleu turquoise transparente. Bon là on est en hiver, mais des petites plages et tout, pour les enfants, pour les adultes, c'est vraiment sympa. À 1h30 de Nancy seulement. Petite tyrolienne. Et voilà. Ah c'est top. Et alors dès qu'on arrive, on ravito. Et voilà. Je vais prendre 2-3 pommes et je vais direct. On... 12 bornes, 1h37. Bon. Les terrasses du lac, qu'on s'en souvienne ici parce que franchement, mais voilà quoi, on cherche des week-ends sympas à passer. Là, c'est vraiment vraiment terrible ici. Un petit tour d'horizon. Bon,
Allez, on est reparti. Sauf pas qu'à danser en silence. Personne ne dit rien. On est tous dans notre souffrance. Voici les ravages de la tempête qui s'est produite ici il y a 15 jours. Avec des vents enregistrés à 160 km/h dans les massifs vosgiens. Voilà les dégâts que ça fait. Des arbres arrachés. Elle est complètement déracinée là-bas. Impressionnant. Il valait mieux pas se trouver dans les environs le jour où c'est arrivé ça. Allez. Seizième kilomètre. En 2h12. Regardez-moi ça, ce paysage de dingue. Un petit village, petit hameau. Commence à cailler. Et ben, petite accalmie, ça fait des kilomètres, qu'on grimpe. Ah oui, ça y est, je me souviens. L'année dernière, c'était complètement enneigé ici. Et je m'étais explosé dans la neige, j'arrivais même pas à m'en sortir. Oh, c'est bon signe, c'est qu'on arrive pratiquement au sommet. 20 km. Oh, vache. Et 1300 mètres de dénivelé. Oh, putain, il est dur. Parce qu'elle a bien souffert. Et voilà. L'année dernière, on avait fait une belle rencontre ici. Sous la neige. Là, il n'y a pas de neige, il n'y a rien. Encore. Putain. Enfin là, c'est la forêt là. Allez, vas-y. Un 2 km. Oh, c'est dur. Regardez, je vais dire. Allez, arrivé dans 1 km. Oh putain, il était extrêmement raide, hein. 28 bornes de folie. En 4h11 pour l'instant. Oh putain, il m'en est arrivé, je suis fracassé. L'arrivée là. Thank you.
il est 15h24, j'attends Chris et Jules qui devraient pas tarder à arriver normalement. Je vais essayer de les filmer à leur arrivée. Voilà, donc après avoir pris une douche extrêmement froide. Et voilà. Ah, ah voilà, c'est magnifique. Wouh, ils sont finishers. Parce qu'il voulait faire en plus de 6 heures, je crois qu'on est.